4 tenues du mois de décembre. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voici la troisième ou même la quatrième vidéo de ce genre. Je vous présente 4 tenues pour le mois. Cette fois-ci, le mois de décembre. Commençons tout de suite par cet ensemble avec du tartan. Alors, ce n'est pas un ensemble, mais c'est moi qui l'ai combiné. La jupe est une jupe de la marque H&M. Elle a déjà quelques années, je l'ai trouvée sur Vinted. Elle me plaît beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup. Vous voyez mon petit compagnon qui est toujours là. Et donc, la veste est rouge. De la marque, si je me souviens bien, c'est Un Jour Ailleurs. Ce haut blanc, vous l'avez vu déjà des millions et des millions de fois sur moi. Et bon, c'est parfait. Alors honnêtement, la jupe, je la porte avec une doublure. Parce que sinon, elle est un petit peu trop légère. Donc pour ce mois de décembre, c'est très festif. Il y a quelques années, je n'aurais jamais osé porter du tartan. Et même du rouge. Mais bon, comme quoi, vous voyez, la personnalité évolue et les tenues avec. Alors cette veste, comme vous allez le voir, peut se fermer. Et donc même devrait se fermer, étant donné qu'elle a un système de fermeture. Il reste que je pense que les crochets ne sont pas très bien placés. Moi, j'aurais préféré qu'ils soient encore un peu plus étroits. Je demanderais peut-être à ma mère d'ailleurs de les déplacer. Parce que, bon, enfin voilà, c'est pas non plus dramatique, mais j'aurais préféré qu'on ne voit pas trop la blouse en dessous. Bon, enfin bon, c'est pas bien grave. Ici, regardez, c'est la robe de la collection Femmes à part. La robe dont, maintenant au moment de l'enregistrement, j'ai oublié le nom, pardon, mais je vous donnerai le lien juste en barre d'infos. Cette robe existe dans 2 coloris, là c'est en taille 36. Et donc c'est la robe que je vais porter pour les fêtes, fort probablement. Elle n'a pas de fermeture ni à l'arrière ni sur le côté, c'est vraiment juste une robe comme ça qu'on enfile. Et oh super. Et donc ici avec le manteau d'hiver, par-dessus je mets encore mon gros manteau en laine. Et donc ça, c'est quand même une tenue de sortie. Ce manteau, si je me souviens bien, c'est de la marque Jacqueline Rio. Également en taille 36, je l'ai trouvé sur Vinted il y a quelques années. Et là, imaginez bien entendu qu'il y a un bibi bleu marine, non, turquoise, pardon, ou bleu marine, oh les deux irés, et turquoise et bleu marine, sur ma tête. Bon, bébé est fan, c'est le principal. Encore une fois, vous le voyez dans ces 4 tenues, ce sont uniquement des jupes et des robes. Pour vous montrer, oui, on peut en porter même en hiver. Bon, alors ici, vous voyez, ça c'est mon quotidien. C'est-à-dire, le pull est froissé. La jupe aussi, d'ailleurs, je ne les ai pas repassées pour vous les montrer. Non, ils étaient accrochés au rebord de ma chaise. Je les porte réellement. Voilà. Deux façons de les porter. Soit avec une petite ceinture, justement, pour souligner la taille. Vous pouvez également le porter sans. Et, bon, alternativement, je vais vous montrer tout à l'heure à quoi ça ressemble. Les deux conviennent. Alors, je sais que pour certaines femmes, et moi, il y a quelques années, passer une ceinture par-dessus le pull, c'était impensable. Je me dis, à quoi bon? Mais en fait, de loin, vous voyez ça? De loin, là, je suis à 2 mètres du miroir. Voyez l'effet. La taille est soulignée. Et en même temps, j'ai chaud. Ça reste un grand pull où je ne suis pas boudinée. La jupe est de couleur prune, marque Carole. Elle est doublée, elle est en laine épaisse. Elle est chaude, elle est vraiment excellente. Et c'est cette jupe que je vous avais montrée dans la vidéo que je mettrai en barre d'infos sur les tenues professionnelles pour la saison froide. La jupe qui aplatit le ventre. Voilà. Donc, là, c'était un petit effet gainant qui... Très bien. Très bien après 3 grossesses. Et ici, je vous enlève la ceinture pour voir. En fait, l'enjeu, c'est que le pull ne doit pas être trop long. Imaginez qu'il ne soit pas froissé, bien entendu. Enfin, voilà. Alors oui, on peut porter des jupes et des robes en hiver.
je pense que la vraie difficulté, c'est un cap mental à passer. Ensuite, vous trouvez des astuces et des conseils, des astuces, et bien sûr, et tout ça est à mettre en place. Mais le principal, c'est ce cap mental à passer. Donc, on peut porter des jupes et des robes 365 jours dans l'année. Il y a une formation, justement, qui parle de cela. Vous trouverez toutes les informations en barre d'infos. Donc, l'ultime palier de l'élégance, c'est la jupe et la robe. Elle n'a rien à voir avec le côté religieux. Non, c'est réellement c'est le summum de l'élégance sera toujours pour une femme une jupe ou une robe, quelle que soit la situation. Ici, cette veste, vous la connaissez déjà, je vous l'ai déjà présentée. Alors, les manches, j'aurais préféré avoir 2 cm de plus au niveau des manches, mais bon, on ne choisit pas. La robe est la robe Amélie de la toute première collection automne-hiver de Femmes à Part, qui, donc ici, n'est pas portée avec la bonne ceinture. Donc, la robe est vendue avec une ceinture que j'ai cherchée. À présent, là où je vous parle, j'ai retrouvé la ceinture dans la chambre de nos enfants. Oui, ils jouent aux cow-boys et aux pirates, et peu importe. Donc, j'ai pris une autre ceinture. Et ça, c'est vraiment la robe que je mets au quotidien. Là, avec la petite veste, ça fait plus chic, justement, quand je sors, j'ai des amis, ou on va à un anniversaire, ou on reçoit très bien. Mais sinon, au quotidien, juste la robe est parfaite. Là, je vous la présente avec les petites chaussures, les petits escarpins. Ça convient très bien avec mes bottes blanches. D'ailleurs, vous l'avez vu, les bottes blanches, à quel point ça revient ce côté élancé. Ça n'alourdit pas la silhouette. Donc voilà, robe Amélie, couleur prune, parfait pour l'hiver. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement. Abonnez-vous à la newsletter pour ne rien manquer, avoir des codes promo sur les formations et encore du contenu exclusif. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.